Yo tout le monde, c'est Genio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur My Time at Portia. Dans notre petit atelier, j'ai passé une journée tout simplement pour que au niveau de l'aluminium ça avance un petit peu plus vite, en tout cas que ça se termine. Et globalement j'avais lancé des petites planches, donc normalement on va avoir le total d'aluminium nécessaire aujourd'hui pour avancer au moins sur un des sujets. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. J'ai également des roulements et j'avais aussi lancé, voilà, ça, des barres d'acier carbone, puisque je vais en avoir besoin, mais je crois que j'en avais déjà assez. Donc du coup, on va vite fait s'occuper des petits animaux qui continuent de grandir, hein, mais c'est vrai que j'ai l'impression que les poussins canards sont beaucoup plus lents à monter que les béliers et puis les vaches, là, 66%, et lui, 66%, et l'autre poussin, j'ai pas vu le premier poussin, lui, il a 86%, ok. Bientôt, ça avance, mais vraiment tout doucement, quoi. On va ramasser les petites crottes qu'on voit, là, voilà, je peux pas... Ah, mais non, en fait, il y en avait qu'une, je sais pas pourquoi j'ai eu l'impression qu'il y en avait deux, mais bon, c'est pas grave, les petits moutons, voilà. Alors, je sais pas si ça vaut le coup encore de m'occuper des animaux qui ont leur bonheur au maximum. Je veux dire, là, j'arrive pas à monter à plus que 116, et pour les vaches, 121. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Parce que je suis pas sûr que si je les caresse pas une journée, l'amitié baisse. Par contre, peut-être qu'il y aura moins de loot le lendemain, peut-être. Donc, dans un sens, vaut mieux peut-être continuer. Même si le lait, je vous avoue que m'intéresse pas tellement, mais c'est plutôt la laine. Mais bon. Hop, on va récupérer la crotte de notre cheval là, et du coup, viens un petit peu par là pour que je te fasse un câlin et que je me coince pas dans la barrière. Voilà. Hop, une petite caresse sur le cheval. Et du coup, on va pouvoir reprendre un petit peu nos travaux. Alors déjà, attends, j'ai vu que j'avais aussi j'avais du courrier, donc on va aller voir ça. Déjà, on va ramasser ce que je dois récupérer. Très bien. Et ici, j'ai du courrier. Alors, de la mairie. Le festival d'automne approche à grands pas. Nous tiendrons le concours culinaire des portiers annuels le jour du festival. Alors, à vos préparatifs, j'invite tous ceux qui veulent participer à soumettre un aliment cru avant la date du 20 de cette saison à 14h. Le festival se déroulera le 20. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette histoire. Et du coup, c'est quoi l'autre courrier? La guilde du commerce. Ah oui, c'est parce que j'ai fait l'inspection hier. Donc, du coup, bah, il me donne les récompenses, ce qui est parfait. Alors, tiens, toi, tant que t'es là, Émilie, j'ai des cadeaux pour toi. Hop. J'ai des cadeaux pour toi sur moi. Toi, je crois que tu aimes bien. Voilà, la salade de fruits. Parfait. Ok, très bien. Vu qu'on avait récupéré ça la dernière fois à l'événement, du coup, j'en profite et j'en donne un petit peu à ceux que je sais. Alors, tiens. Le bois, ça. Ok, je vais essayer de ne rien oublier cette fois-ci. Les minerais. Hop, où est-ce qu'ils sont les minerais? Là. Donc, minerais, il y a ça, ça. Bah, ça aussi, du coup. Voilà, ces trois trucs-là. Ça, ça va dans les ressources. Ça, ça va dans les loot. Et ça, c'est quoi? Ok, ça, c'est un objet à mettre dans la maison. Ok, bah, je vais le garder. Alors, j'ai trois objets que je peux mettre dans ma maison. Ces trois trucs-là, globalement. Donc, c'est plutôt cool. Ok, ruines. Ça, ça va dans les ruines. Et ça, c'est des loot. Enfin, c'est pas des loot, mais j'ai aussi les loot. Où est-ce qu'ils sont? Là. Voilà, donc ça, ça, tout ça c'est du loot. Et ça c'est de la ressource minerai. Ok, normalement je crois que j'ai rien oublié. Et tout ça du coup c'est des objets que je peux potentiellement donner à des gens en fait. Donc ça c'est plutôt cool. Et d'ailleurs les circuits basiques, je vais pas donner ça. Je vais les reprendre ça, électronique, tac. Parce qu'en fait ça donne des points pour hack. Mais ça donne pas beaucoup de points. Alors que justement j'avais lancé des barres de fer ici, parce que j'ai vu qu'on pouvait faire des bobines en cuivre, et que les bobines en cuivre, ça donnait plus de points. Donc, normalement, on doit avoir ça, des bobines en cuivre. Voilà, c'est ça. Ça, j'ai vu que ça donnait plus de points, donc on va en faire... Voilà, on va en faire 3, et comme ça, je vais aller le donner à Hack, qui est là, ça tombe bien. Hop, reste ici. Alors, Mali m'a parlé de mon question durant les bâtiments anciens, mais étant donné que je vis dans un grand manoir et que je ne sors pas beaucoup, à part quand je me suis rendu dans la station spatiale, je ne sais pas grand-chose. Tiens, une petite bobine. Ah bah voilà, parfait.
Parfait, parfait. Effectivement, c'est plus 10, alors que les circuits, c'était plus 3, je crois, un truc comme ça. Donc, c'était pas tant que ça. Bah voilà, parfait! Ça tombe bien, on est monté... Ah, attends, je suis à combien avec Hack au final? Parce que Hack, c'est un personnage un peu particulier, et a priori, il y a des trucs un peu spéciaux quand on monte notre amitié avec lui, donc c'est pour ça que j'aimerais bien monter un peu plus vite mon amitié avec lui. Alors, du coup, au niveau de l'alu, bah, de toute façon, je vais récupérer hop, ça et ça. Voilà, et d'ailleurs, là, je vais peut-être... Est-ce que j'en avais besoin encore? Je sais plus. Je sais plus pourquoi j'en avais besoin de l'alu. Ah, mais non, c'était pour améliorer ma maison, mais du coup, c'est bon, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Et bah, je vais quand même lancer des plaques d'alu. Comme ça, au moins, ce sera déjà pas mal. Ok. Et normalement, donc, avec les plaques d'alu que j'ai déjà préparées et qui sont... Bah, pas là, vu qu'ils sont dans le coffre minerai. Voilà, ici. Très bien. Donc, normalement, on va pouvoir faire le pédalo. D'ailleurs, j'ai pas réactivé les... Attends, j'ai pas réactivé les missions, là. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, ça, le pédalo, l'entrepôt, on va peut-être aller faire ça aujourd'hui, et les fleurs, bah, faut que j'attende, mais je vais le réactiver, comme ça, au moins, on le verra, on n'oubliera pas. Donc, on va aller faire ce petit pédalo qui est normalement tout au bout. Voilà, ok, l'aquarium. Et c'est vrai que les aquariums, là, on n'a jamais fait, faudrait peut-être que je m'y penche, mais en fait, à chaque fois, j'ai une mission à faire avec la quête principale, donc j'ai pas vraiment le temps. Enfin, en soi, je pourrais prendre le temps, mais c'est vrai que j'ai pas envie de trop traîner, quoi. Ah, attendez, c'était juste là. Ah oui, tiens, attends, la machine à... Ok, moteur, de l'argile. Ok, et je sais pas à quoi ça sert, la machine à recycler, mais on avait eu ce craft-là la dernière fois. Bon, bref. Alors, du coup, il me faut 20 plaques d'alu, il me faut du truc composite, ça, je l'avais fait la dernière fois, et il me faut des hélices, et c'est pour ça que j'avais besoin des plaques, des roulements et des trucs en carbone. Donc, normalement, on est pas mal pour tout pouvoir faire. Voilà, donc les hélices, il m'en faut 2. Ça tombe bien, je peux en faire 2. Voilà. Donc, il y a l'aluminium. Attends, où est-ce que je peux mettre l'aluminium? Planche en bois composite. Voilà, plaque d'aluminium. Ah, ça, c'est pour la charpente. Non, ça s'appelle pas la charpente, ça s'appelle la coque du bateau. Voilà, les hélices et les planches. Les planches, ça doit être ça. Oui, très bien. Voilà. Et normalement, je crois que c'est à peu près tout, hein, ce qu'il y avait besoin. Alors, pourquoi je peux pas mettre au-dessus? Je vois pas. Ah, planche, c'est bon. Voilà. Au final, il y avait pas grand-chose à avoir en différents matériaux, mais effectivement, c'était des grosses quantités, quoi. Les 20 planches et puis les trucs d'alu, là. C'était quand même pas mal. Bon, bah, j'ai le pédalo. Ça, c'est cool. On va pouvoir avancer sur cette mission-là. Alors, mon cheval est bloqué, ce qui est magnifique. Hop, vas-y, viens là. Hop, il saute. Ah, parfait. Parfait. Alors, et bah, du coup, on va pouvoir avancer. En fait, il faut que j'aille le mettre directement dans l'eau. Ou est-ce qu'il faut que j'aille le porter à quelqu'un? Construire le bateau roi haut. Bah, en fait, je vais regarder sur la carte, tout simplement. Non, faut que j'aille le rendre à... Bah, certainement à Albert, hein, en vrai. Souvent, c'est Albert qui a besoin des quêtes. Est-ce que c'est toi, là, je te vois? Non, c'est pas lui. Ok, c'est à la guilde du commerce. Ah bah, ça doit être Antoine, du coup. Ça doit être Antoine. Hop, oui, c'est Antoine. Il est là. Ah, très joli. Et de qualité, comme d'habitude. Je parie que le maire sera ravi. J'ai vraiment hâte d'y aller et de me promener le long des coraux. Parfait. Ah, il y en a un pantalon d'uniforme militaire. Intéressant. Ah, niveau 42. Mais le problème, c'est que j'ai des vêtements que je peux pas mettre, en fait. Même l'autre niveau 40, moi je suis que niveau 36, hein. Mais ok. Bon bah on verra si on le met. Mais en tout cas pour l'instant je ne peux pas le mettre tout simplement. Ok, est-ce qu'il y a des petites missions genre très simples à faire? 3 barres de bronze effectivement. Le tapis en lin, ça, une fois j'ai pris la quête et je pouvais pas la faire, c'était trop long en fait. Ok, et les étoffes étanches c'est un peu galère aussi, hein, je vous avoue. Donc on va prendre la quête de Poly, là. Les barres de bronze, c'est très bien. C'est très bien comme mission. Au moins, je suis sûr d'avoir le temps et je suis sûr de pouvoir le faire tranquillou. Donc, on va tout de suite foncer hop, à la maison, comme ça, direct. Je vais aller lancer les barres de bronze à se faire. Quoique, ça se trouve, je les ai peut-être déjà, en vrai. J'ai peut-être déjà des barres de bronze. Est-ce que j'ai dans ressources minerais... Oh, j'en ai... Il m'en faut 3 seulement. Alors là, je peux te dire que tu vas être content, Poly, direct. Tes barres de bronze, elles arrivent direct. Allez, let's go. On va aller voir Poly.
Hop, nous y sommes. Alors attention, laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Interagir. Voilà, commande de la guilde. N'hésite pas à venir faire un tour dans le magasin de meubles viril. Yes, parfait. Parfait, parfait. Alors oui, tiens, en parlant des meubles, je pense qu'il y a un moment où on va y aller. Il y a Mint qui est en train de dormir. What? Pinky va réveiller Mint si elle continue de ronronner. Je peux peut-être l'éloigner. Trouver de la nourriture pour Pinky. Ok, d'accord. D'accord, il faut des poissons-chats. Ah ouais. Ah mince, mais non, je voulais pas m'asseoir. Je voulais parler à Mint. Ah mais en fait, je peux pas parce qu'il est en train de dormir. Ok, on a besoin de poissons-chats. Très bien, et eh ben on va aller chercher ça. Alors, est-ce que j'en ai? Ou est-ce que il va falloir que j'aille en pêcher? Ça, c'est la bonne question, ça. Ça, c'est la très bonne question. Je sais que j'avais quelques poissons. J'avais fait un coffre à poissons que je vais jamais voir, d'ailleurs. Mais... est-ce que j'ai des poissons-chats là-dedans? Ah bah oui, c'est ça, parfait, j'en ai. Ouais, c'est le poisson de base, en vrai. C'est celui qu'on a pêché le plus, je crois. Ok. On va donner à un chat un poisson-chat. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Hop. Alors. Il est là, il est là. Tiens, Pinky. Discuter, très bien. Mais à la base, je voulais surtout donner un poisson-chat. Ah. Très bien. Ah non, il fallait que je le mette quelque part. Ah mince. Attends, Je me suis planté. Bon, du coup, j'y ai donné un poisson. Bah, il a gagné un poisson. Tant mieux pour lui. Mais, attendez, c'est pas ce que je voulais faire. Enfin, si, j'ai voulu faire ça. En soi, je me suis trompé. Mais, c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. Bon, heureusement, j'en avais plusieurs. Parce que sinon, ça aurait pu être galère. Allez, let's go. Bah, du coup, il me suit. Qu'est-ce qu'il veut? Du coup, j'ai donné un poisson et il me suit. Ah, mais il se TP en plus. Il se TP. Ok. Ah, voilà. Fallait que je mette du poisson ici. Posez le poisson. Voilà. Alors, Pinky, là. Viens par là. Va pas réveiller Mint. Placer de nouveau. Mais il est là. Allez, mange-le. Ah, il en faut un autre. Attendez. Je vais prendre tous mes poissons-chats parce que je sens qu'en fait, il va falloir l'éloigner petit à petit. Mais c'est moi ou il se TP, là? Il se TP à moi. Oh non, oh non, on est en train d'attirer le chat, là. Oh, moi, je suis allergique au chat, hein. Moi, je suis allergique au chien aussi et on en a un dans la maison, hein, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, en passant, je sais pourquoi le chien, il est venu. C'est pas du tout lié à Ginger, en fait. Le chien, il est venu parce qu'on lui a fait le collier, en fait, tout simplement. Donc, du coup, maintenant, il considère que c'est un peu nous, son maître. Oh, attends, tiens, May. Tant que t'es là. Hop, salut. Hop, j'ai du miel pour toi. Voilà. Parfait. Lucie, j'ai rien pour toi. Mars, toi, j'ai des trucs pour toi aussi. Hop, voilà. Eh, j'essaye, là. J'essaye d'améliorer un peu. Voilà, lui, c'est plus 12. Ça, c'est cool. Toby, lui, je peux lui donner de la limonade. Oh! Il est devenu mon acolyte. Yes! Et du coup, j'ai amélioré mes relations. Ok, très bien. Parfait. Bah voilà, j'ai bien fait de lui donner de la limonade un peu tout le temps, là. Et de lui parler. De lui parler. Attends, j'ai vu qu'il y avait les gamines, là. Alors, la blonde, le moyen mémotechnique, c'est qu'elle est blonde comme Emily, donc elle aime aussi la salade de fruits. Voilà. Et la brune, le moyen mémotechnique, c'est que vu que c'est la fille de Mars, et bah elle aime la même chose que Mars, à savoir le truc de poisson bulle. Eh, hey, je commence à retenir, hein, n'empêche, hein. Je commence à avoir pas mal de petits moyens mémotechniques. Bon, j'avoue qu'il y a des gens où je crois que je leur parle quasiment jamais, mais bon. Alors, du coup, où est-ce qu'il faut que j'aille maintenant? Dehors? Ah, faut que j'en mette un ici. Ok, pour être placé. Voilà! Ok, en fait, on l'a éloigné deux fois. Très bien, j'ai amélioré ma relation avec Mint. Ok, et est-ce que je peux aller lui parler? Parce que du coup, bah, non, je peux pas lui parler. Bah écoute, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ok, je regarde vite fait. Jack, toi, je t'ai pas parlé, toi, aujourd'hui. Je crois pas, hein. Bah non. Et toi, t'aimes la limonade aussi, toi. Hop. Voilà. Et en fait, à la base, je venais voir Alice, parce que Alice, je sais qu'elle aime bien le miel aussi, mais c'est pas grave. Eux deux, j'ai déjà pas mal amélioré ma relation avec eux. Ok, y'a qui en haut, là? J'ai vu quelqu'un. Ah, bah Arlo, attends, j'ai des trucs pour toi aussi. Hop, Sam a parlé du vol, merci pour ton aide. J'ai déjà parlé aux deux bandits, je pense que la situation est plus compliquée qu'il n'y paraît. L'homme masqué dont il parlait, de qui pourrait-il bien s'agir?
Tu penses qu'ils n'ont rien fait? Ils n'ont jamais autant nié une accusation. D'habitude, ils sont très fiers de leur crime. C'est assez simple. Ce serait peut-être pas les deux Gugus, là? Pourquoi le voleur rapporterait-il l'objet volé? Ok, bon, à la base, moi, je vais juste te donner de la soupe épicée. Voilà. C'est bien, c'est que c'est la même couleur que ses cheveux, donc moyen... mémotechnique assez simple. Tant que j'y suis là, je suis à donner des cadeaux à tout le monde. Donc on va aller vite fait au... j'allais dire au marché, pas du tout. À l'hôpital. Mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai oublié de descendre en fait. Voilà. À l'hôpital, parce que les deux de l'hôpital, ils aiment bien les talismans. Donc comme ça, au moins, c'est facile à retenir. Hop. Voilà. Le médecin, le talisman. Parfait. Et Phyllis, elle est là aussi. Parfait. Un petit talisman également. Cadeau. Voilà. Et je regarde vite fait les cadeaux. Ça, c'est pour Mint et Petra. Et puis le reste, on a déjà donné aujourd'hui au final. Ah, Alice, je pourrais lui donner ça parce que j'ai vu May, mais j'ai pas vu Alice. Et c'est les deux qui aiment le miel. Donc voilà. Ok. Hop. Bon, bah, mine de rien, on a fait un petit tour bien complet aujourd'hui. En terminant la grosse mission du jour, on va peut-être avoir des nouvelles ce soir d'ailleurs en passant. Ok, il y a May ici, mais j'ai déjà donné quelque chose à May. Je lui ai déjà donné tout à l'heure. Ça, c'est Agamine, ok. Arlo. Django, attends, je lui ai pas parlé à Django. Aujourd'hui, en plus, lui, il aime bien la limonade, mais surtout, Django, il y a un double intérêt, c'est que lui, je peux apprendre des recettes. Voilà. Son doré, papaye, bambou, farine. Vas-y, avec de la farine, tu fais quoi? Hop, spaghetti bolognaise classique. Ah, c'était une recette que j'avais déjà. Ok, bah, tant pis. Tant pis. Bon, alors du coup, si je regarde vite fait, grand climatiseur, ok, on est bon. En vrai, alors, j'ai pas envie de partir tout de suite au grand climatiseur parce que il faut que j'aille. Ah, bah attends, j'ai une quête là. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille faire ici? Échange de morceaux de reliques. Attends, pourquoi faut que j'aille là-bas? Pourquoi il faut que j'aille là-bas? À qui est-ce que je dois parler à cet endroit là-bas? J'ai pas tilté. Ah, Mint! Ah bah attends, ça tombe bien, je voulais lui parler pour lui donner un cadeau. Je dormais à moitié quand j'ai cru avoir entendu quelque chose. Pinky jouait, il faisait du bruit. Je l'ai éloigné. Merci, il m'a permis de faire une bonne sieste. Ah bah c'est cool en fait, j'ai bien fait de venir lui reparler parce que j'ai regagné 15 points de plus. Et là je vais regagner des points encore avec ça. Voilà, plus 7. Bah dis donc, avec Mint on en a fait hein, des points. On en a fait et je pensais Petra, mais je crois que c'est fermé, hein. Il est 19h. Ouais, il est 19h, c'est fermé. Ok, bah non, je pense qu'on va aller se coucher parce que du coup, comme je disais, il est... Ah bah attends, elle est là Petra. Elle est là. Hop. Il est trop tard pour aller voir là-bas le climatiseur. Donc du coup, on va juste voilà, donner ça à Petra. Très bien. Et on va pouvoir aller se coucher un peu tôt, mais c'est pas grave. Voilà. Let's go. Comme ça, au moins demain, on sait ce qu'on a à faire direct. À moins qu'on ait du courrier qui nous interpelle. Hop. Oh tiens, tant que je suis dans la maison, j'ai des trucs à poser. Voilà, ça et ça. Parfait. Alors, je suppose que je peux toujours pas mettre des trucs sur la table. Hein. Ah non, je peux toujours pas mettre des trucs sur la table. C'est dommage. Bon, bah écoutez, le petit pot de fleurs à côté. Le petit robot. Nono, le petit robot. Voilà. Alors, en vrai, la maison, je pense qu'à un moment, je vais avoir envie de m'en occuper parce que je vous avoue que j'aime pas trop. En fait, donc, on met un peu tout au hasard pour gagner des points, mais j'aimerais bien faire un peu de l'aménagement. Je pense qu'il y a un épisode où on va prendre un moment pour faire de l'aménagement, mais en vrai, les pièces sont ultra grandes et j'ai pas tant de meubles que ça, quoi, donc je verrai. Il y a peut-être moyen de construire des meubles ou des trucs. Ça va, Ginger? Quand je suis avec toi, j'ai l'impression que chaque seconde est précieuse, je vais rester avec toi pour toujours. Ah, bah écoute, ça me fait plaisir. Et du coup, oui, en fait, le chien, hop, j'ai trouvé qu'on pouvait faire des interactions. Enfin, j'ai juste cliqué, hein. Et du coup, regardez, on peut le caresser. Bon, voilà, classique. Mais l'autre interaction, elle est vachement cool, c'est que du coup, on peut l'enlacer. Hop, et du coup, enlacer. Regardez, c'est trop mims. Bon, j'aime pas trop quand les chiens, ils me lèchent le visage, mais
En soi, c'est Mims. Allez. Voilà, je voulais vous le montrer, au cas où. Hop. Et du coup, bah, je vais pouvoir aller dormir maintenant. Qu'on a dit au revoir, bonne nuit à notre femme, à notre chien. Magnifique. Mais ouais, en gros, c'est une grosse coïncidence que Ginger et le chien soient arrivés le même jour, quoi. C'est en fonction des quêtes qu'on a fait. Hop. Et Ginger, je sais pas d'où... Oh, elle a une quête. Elle a une quête pour moi. J'ai fait pour toi. Oh, elle m'a donné de l'œuf papaye bambou. D'accord, ok. Attends, elle a une quête. Moi, je vais faire la quête. Hop, allez faire un tour. Mon bien-aimé, veux-tu aller faire un tour avec moi? Ouais, carrément. Se rendre au désert de Fola. Ah ouais, carrément. Carrément. Bon, bah, écoute, vas-y, hein. Faut que tu sortes, par contre, hein. Je pense que on va y aller en bus ou en cheval, j'en sais rien. Hey! Salut à ma personne favorite de la ville. Salut, Mali. Quoi de neuf? Oh, est-ce que ça te dirait de partir à l'aventure avec moi? La dernière était tellement amusante. D'après les cartes, il existe des ruines sur l'île Argent Étoile. Je dois aller voir ça avant que le maire n'autorise les visiteurs. Je tomberai peut-être sur d'autres portes bloquées, alors autant amener ma référence en construction. Qu'en dis-tu? Ouais, mais peut-être pas aujourd'hui. Je t'attendrai au port. Ok, bah parfait. Voilà, j'allais dire pas aujourd'hui. Mais, ah bah du coup, voilà, elle me suit. Bah attends, je vais juste chercher le cheval, je pense qu'on ira plus vite à cheval. Hop. Udala. Oh bah parfait, elle me suivit direct. Ah attends, j'ai juste du courrier, je vais regarder ce que c'est, si c'est pas un truc urgent. Hop, alors, c'est pas ce que je voulais faire. De Russo. Tiens, des pièces anciennes usées, prends-les. Merci. Qu'est-ce que je suis censé dire? Alors, elle voulait aller au désert de Fola. Est-ce que on peut prendre le bus? Parce que j'avoue que si on peut prendre le bus, ça m'arrange grandement. Désert de Fola, faut qu'on aille là. Vas-y, on va prendre le bus pour là ou pour là. Ah, ça fait loin là. Bon, je crois que ça fait pas spécialement. 20 minutes, ouais, vas-y, on va prendre là. On va prendre là. Allez, c'est là qu'il faudra qu'on aille après. Ok, on va aller au désert de Fola. Attendez, c'est notre femme, elle nous a demandé un service. Elle peut pas trop se balader en plus, elle, vu qu'elle a une santé fragile. Donc si on peut l'amener en bus et en cheval. Hop. Ah, elle s'est épée. Parfait. On va dire qu'elle a pris le bus avec nous, même si on ne l'a pas vu dans le bus. Ok, je me suis trompé de côté, déjà, ça commence bien. Alors, let's go. Ben voilà, elle se balade. Ah, il y a Dana. Ok, elle se balade. Elle se balade dans la vallée, Dana. Hop. Alors, on arrive. Alors. Est-ce qu'elle est venue visiter? Oh, on est bien habillé. Hein. On est beau. Mais on est trop beau. Relation plus 10. Mais tu m'étonnes que relation plus 10. Allez, viens. Tu viens, Ginger? Prends ton temps, j'ai autre chose à faire à plus. Ah bah d'accord, ok. Ok. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? Récolte. Coquillage, sable. Ah d'accord, ok, c'est des coquillages. Bon, du coup, pas très intéressant. Tu veux pas monter avec moi, Ginger? Est-ce que tu veux monter avec moi? Ah, vas-y, viens, monte avec moi. T'iras plus vite, ma petite Ginger. À la limite, je peux te déposer au bus. Tu rentres en bus toute seule. Et puis, moi, je vais rentrer... Enfin, moi, je vais pas rentrer. Du coup, je vais aller à Wo Industries. Mais voilà, au moins, t'as gagné un petit peu de temps, ma petite Ginger. Ah, bah, s'entraîner pour les cochons volants. Ah, j'ai une quête ici, aussi. Alors, le truc, c'est que les quêtes bleues, des fois, elles s'arrêtent un peu rapidement. Donc, je me dis que je vais peut-être aller faire la quête bleue. Parce que les quêtes oranges, elles restent, hein. Globalement, il n'y a pas de délai. Mais les bleus, des fois, c'est que dans la journée, donc... On va aller faire cette quête. On va aller s'entraîner pour les cochons volants. Ça, ce serait bien, comment il s'appelle, Arlo, à mon avis. Oh, bah, par contre, on a été synchro, là. Il est descendu au même moment que moi. Ah bah oui, c'est Arlo, tiens. C'est Arlo. Hop. Ouh. Salut, Eugenio. Tu veux faire du jogging avec moi? Bien sûr, je pense que ça me fera du bien. Parfait, allons-y. Ah, d'accord. Faut aller à la place Peach. Ok, bah let's go. Bah du coup, c'est même pas du jogging, hein. Nous, on fait du cheval, hein, carrément.
On fait du cheval. Ok. Place Peach, c'est bon. Faut aller où après? Place Peach, courir jusqu'à la ferme arboricole. Let's go! Let's go! Bah, du coup, on fait pas vraiment de. On fait pas vraiment du jogging, hein. Là c'est le cheval qui fait tout. Hein. Ah, ses jambes, ah bah oui! T'as l'air plutôt fatigué, tu dois probablement avoir besoin de plus d'exercice. Ouais, phew! Hé hey, Arlo, tu t'entraînes toujours comme ça, ou est-ce qu'il y a une raison particulière? Tu fais bien de demander. Je m'entraîne pour rejoindre la meilleure guilde d'aventuriers du pays, les cochons volants. Leur examen d'entrée est réputé être difficile, donc je dois me tenir prêt. Merci de m'avoir rejoint pour l'entraînement. Je fais encore quelques tours et je m'arrête là pour aujourd'hui. Bon bah écoute. Au plaisir de t'avoir aidé, hein. Ah bah attends, y a un arrêt de bus juste là. Au plaisir de t'avoir aidé, j'ai pas fait grand chose, c'est le cheval qui a tout fait. Bon bref, alors, on va aller là, donc je pense qu'on va aller à cet arrêt là, on va prendre le bus, et comme ça on va, le bus on va pas prendre, enfin si, là on va prendre le bus, et là on va prendre l'ascenseur, pardon. Et comme ça, on sera arrivé à Wondustries, juste après. Et il faut qu'on essaye de trouver un réfrigérateur, un climatiseur, c'est ça. Oui, en plus, je suis bête, c'est marqué sur le côté. Oh non, j'ai loupé l'ascenseur. Redescends. Bon, ça va, il est pas très grand, celui-là. Il est un peu moins grand que l'autre. Ok. Parfait. C'est parti pour Wondustries. Ah, il y a des chauves-pandas ici. Tiens, je savais pas. Je savais pas qu'il y en avait là aussi. Ah, parce que des fois, j'ai dû en farmer, mais du coup... Ok, Wondustries, on rentre. Alors, le magasin repose des graines et des caisses à cultiver. Oui, je sais. D'ailleurs, oui, il faudrait que j'achète des caisses à cultiver parce qu'il y a l'événement, là, bientôt, sur les trucs des légumes ou je sais pas quoi, là. Alors. Ok. Faut que j'aille en face, du coup, je suppose. Attends, je vais regarder quand même sur la carte que je fasse pas de bêtises. Ouais, bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix, hein. Wondustries, on avance. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici? J'ai cru voir un point. Oui, il faut que j'aille là. Ok. Il faut que j'aille là. Donc, dans la partie verte, et pour l'instant, je suis là. Bon, de toute façon, il faut que j'avance, que je tourne sur le côté. Bon, on va voir. Pour l'instant, faut aller tout droit. Donc, allons tout droit. C'est parti, et je pense que je vais prendre mon arme à la main. Oh, j'ai cru que c'était un ennemi, mais non, c'était juste la pince, là. Ok, bon, vas-y, en vrai, je saute, hein. On prend pas de dégâts, donc... Ok, voilà les ennemis. Oh, ils sont bien plus haut niveau que la dernière fois. Ils sont bien plus haut, mais ça devrait le faire. Faut pas que je me fasse attaquer par trop à la fois, par contre. Sinon, ça pourrait être un petit peu critique. Ok, donc là, c'est bouché. Alors là, je comprends pas, c'est que... Techniquement, sur la carte, il est censé y avoir un trou, mais il n'y a pas de trou, au final. Ok, allez, parfait. Alors, enfin, pas un trou, mais un mur, là, ou je sais pas quoi. Ok, alors attends, est-ce que je peux revenir en arrière, juste le temps de réfléchir un petit peu. Alors, là, je suis ici, parce que là, moi, faut que j'aille là, donc en fait, je vais pas aller vers le bas, faut que j'aille sur le côté, par là. Ah, voilà, mais du coup, je peux pas y aller. À cause de tout ça. Ok. Donc je peux pas y aller en direct. Donc ça veut dire que je suis obligé de passer par là. À mon avis, je suis obligé de passer par là. Donc évidemment, par l'endroit où il y a tous les monstres. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Voilà, attention. Je vais me mettre dans le bon sens pour pouvoir vous taper en même temps. Allez. Go. Ah, je fais mal avec mon marteau. Je fais mal avec mon marteau, mais attention, parce que ils arrivent à me toucher aussi. Ok, bon, là, il n'y a rien. On continue. Là, je tourne par ici. Voilà, attention, il y a des magiciens, les rats rouges. Ok, le bandit rat, là. Bim, c'est réglé. Et l'autre magicien, viens là. Allez, qu'est-ce que tu fais? J'ai essayé de courir, mais il a pas couru, je sais pas pourquoi. Ok, très bien. Il y en a encore un? Ah non, c'est bon. Ok, j'avance. Des petits champignons, bah écoutez. On n'en voit pas tous les jours, donc on va les récolter. Très bien. On avance. Ok, alors attention.
Non, c'est bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Et on arrive dans la zone verte juste après, donc c'est parfait. C'est parfait parce que c'est là où il y a le climatiseur. Ok. Allez. Et bim. Bon, lui, il m'a pas vu, donc en vrai, je vais le laisser tranquille. Lui, je suis obligé. Hop. Ah, mais je vais pas pouvoir y aller, là, en fait. Je vais pas pouvoir y aller, il va falloir que je monte. Mais je peux pas monter. Je ne peux pas monter. Alors, attendez, on va regarder un peu les plans. On va regarder un peu les plans. Ici, déjà, qu'est-ce qu'il y a, là? Ah, il y a un ennemi. Il y a un ennemi, déjà. Hop. Ok, très bien. Alors là, il y a plein de trucs, là. Il y a plein de caisses que je vais casser, non? Je peux pas casser les caisses? Je peux pas casser... Ceux-là, oui? Ah, ceux-là, oui. Ok, parfait. Parfait, parfait, parfait. Des pièces anciennes. Alors, attendez, où est-ce que je suis, là? Je suis dans une petite pièce à côté, mais en fait, moi, il faudrait que je passe ici. Parce que là, je pouvais pas passer, on est d'accord? Ah non, je pouvais pas passer là, mais en fait, j'aurais peut-être dû remonter là pour passer là. Bah, ouais, parce que là, j'ai l'impression que je peux pas passer, de toute façon. Ah ouais, ok. Je me suis planté. Je me suis planté. Bon, je me suis planté, pas beaucoup, hein, mais... du coup, je vais essayer d'esquiver lui. En fait, j'aurais dû remonter ici. Voilà, juste là. Très bien, pour rejoindre le chemin que j'ai pas pu prendre tout à l'heure. Ouais, il m'a vu. Il m'a vu, le rassocié. Hop, par contre, le bandit ira derrière, non. Mais celui-là va certainement me voir. Ah, il y en a un qui m'a vu, là. Je l'ai vu sur la carte. J'ai vu sur la carte le petit point qui avançait. Ouais, du coup... Allez, vas-y. On va attaquer lui, tant qu'on y est. Voilà, parfait. Et donc là, on revient de l'autre côté des caisses que je pouvais pas franchir. Très bien. Alors, ici, est-ce que je vais pouvoir avancer? Je crois que oui, parce qu'on est déjà passé ici une fois, il me semble. Ok, donc j'arrive dans la partie verte, déjà. Voilà, donc là, ça a l'air de changer. Il y a des escargots, maintenant. Il y a les escargots, et donc là, bah, faut que j'aille dans le coin, et après, c'est tout droit. Ok, let's go. Let's go, let's go, les escargots. Les escargluants. Hop. Alors, si je me trompe pas, eux, ils dropent du mucus. Donc, en plus... Ouais, bah voilà, parfait. Ça m'arrange, parce que souvent, je dois aller rechercher du mucus, et à chaque fois que je me renseigne sur comment avoir du mucus, je vois les escargots, ou alors, du coup, après, c'est les coccinelles, et du coup, c'est pour ça que je vais tuer les coccinelles, après. Ok. Là, on est bon. On est bon, on est bon. On continue tout droit. On continue. Alors, il y a un ennemi juste en dessous de moi. Et bim, je suis arrivé par surprise, mon gars. Voilà. Très bien. Et du coup... Ah. Du coup, que suis-je censé faire? Ça, je peux l'ouvrir, ça? Non. Attendez, parce que là, je suis bloqué, là. Je suis bloqué dans cette histoire là. Ok. Qu'est-ce que je suis censé faire? Un entrepôt était brûlé. Donc tu fabriques à l'aide d'un nouveau climatiseur. Parle d'abord à Petra. Ouais, mais Petra m'a dit qu'elle pouvait pas en faire et qu'il valait mieux en récupérer un. Tiens, tiens, tiens. Mais là-bas, ça fait du froid, là, on est d'accord. C'est ça, le climatiseur, non? Ah, bah voilà, allumé. Ah, bah voilà. J'ai eu peur, j'ai failli repartir pour rien. Alors, obtenir... Ah, j'ai eu le grand climatiseur, parfait. Parfait, parfait. Et maintenant, du coup, on va pouvoir ressortir. Alors ça, c'est plutôt cool, je trouve que... Du coup, ils nous ont fait revenir dans une zone... qu'on a déjà explorée. Mais c'est plutôt cool. La zone ne sert pas qu'une seule fois, quoi. Alors, normalement, j'ai tué tous les ennemis. Donc, si je reprends le bon chemin... Et normalement, je vais même pouvoir prendre le chemin avec les caisses, mais dans l'autre sens, parce que, du coup... Ah, je vais dire, je peux pas grimper là. Quand même, bizarre. Bizarre. Je vais pouvoir prendre le chemin avec les caisses, parce que dans ce sens-là, à mon avis, le chemin doit être praticable. Bah ouais. Yes. Voilà. Là, petit raccourci ici. Parfait. Et moi, je viens de... Ouais, bah de là-haut, c'est ça. C'était bien ça. Ok. Eh ben, on va aller voir Albert, maintenant. On va aller voir Albert. Attendez-moi à l'ascenseur. Enfin, attendez-moi. Non, mais revenez. Revenez. Autant pour descendre, je peux sauter en mode Yamakasi, mais autant pour monter, je suis obligé de prendre l'ascenseur.
Ok, très bien. Hop, et on va remonter en haut. Bon, bah l'expédition qui s'est bien passée au final. Les monstres avaient quand même monté pas mal de niveaux, mais on s'en est sorti. Bon, ils étaient 35, moi je suis 36, en vrai, c'était cohérent. C'était plutôt cohérent. Hop, voilà. Allez, on ressort, on est bon, on a fait notre boulot, on a récupéré le climatiseur. Donc on va certainement pouvoir aller l'installer. Pourquoi mon cheval se cache dans les tuyaux? Je n'en sais rien. On va certainement pouvoir aller l'installer dans l'entrepôt. Hop. Allez, on saute. Oh, les Yamakasi, nous. Hein. On a un petit peu des Yamakasi, nous. On est sans limite. On est comme ça. Ok, alors let's go. On va aller sur la place centrale. Et on va surtout aller voir Albert, qui a l'air d'être au café. Ou restaurant, je sais plus comment... Je sais jamais comment appeler ça. Café ou restaurant. Mais bon. Hop, en tout cas, mission accomplie. Alors, bah tiens, eux aussi, ils vont au resto. Très bien. Bonjour! Hop, c'est vrai qu'Albert, il est souvent au resto. Ah, mais c'est parce qu'il y a Sonia. J'avais pas tilté. Tiens, tant que t'es là, toi. Hop. Très bien. Tiens, une petite limonade. Je sais que t'aimes ça. Voilà. Et je veux bien une petite recette aussi. Voilà. Sel de roche, œuf ou viande. Allez, des petits œufs au plat là. Œuf, papaye, bambou. Pas de nouvelles recettes. Tu en as un ? Eh bien, tu as sauvé la situation une fois de plus. Avec ça, nous pouvons enfin terminer l'entrepôt sans problème. Et ben voilà, c'est parfait. C'est parfait. Encore une mission bien menée, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On est dans les timings, dans les préparations. Tiens, Mint, attends, Mint. Petit cadeau pour toi. Tant que je te vois. Voilà. On va essayer de refaire un petit tour des cadeaux, là, vu qu'on est dans une autre journée. Voilà, le cadeau lui plaît, ce qui est parfait. Hop, je vois qu'il y a Alice ici. Donc, pareil, son petit pot de miel. Son petit pot de miel à Alice. Où est-ce qu'elle est ? Là. Voilà, très bien. Alors, il y a Hack. Parfait. Hack. Attends. Hop, voilà. Petit cadeau. Oh, il y a Adit. Adit, je crois qu'il aime bien aussi les talismans. Mais je crois que j'en ai plus. Ok. Martha, j'ai rien de spécial pour toi. Toi, là-bas. Hop, Mars. Je sais que t'aimes bien les trucs de bulles. Les poissons bulles, là. Ça. Voilà. Oh, wow. Oh, j'ai eu plusieurs personnes, là. À mon avis, la relation avec Carole a changé. J'ai l'impression que j'ai eu plus que deux personnes, hein. Je me demande si j'ai pas eu Carole, sa fille et Mars. Attendez. Ah, je peux pas savoir, mais je pense qu'en vrai, là, c'est vrai qu'il y a pas trop l'historique des activités. Mais à mon avis, j'ai eu Carole. J'ai eu, comment il s'appelle? Son mari. Donc Mars, normalement. Où est-ce qu'il est? Bah attendez, il est forcément avant, puisque je suis déjà ami avec lui. Je suis déjà ami avec lui, vu que c'est lui qui m'a fait monter. Où est-ce qu'il est? Ah bah là, il est là. Ok, Mars. Et je pense que j'ai eu sa fille aussi, qui est la petite gamine brune. Je sais pas où elle est. Là, Polly. Ouais, elle a dû monter niveau 1, à mon avis, Polly. Très bien. Eh bah, c'est parfait. Phyllis, attends, est-ce que j'ai encore des talismans? Ah non, j'ai pas repris de talisman, malheureusement. Attends, j'ai vu que j'avais des trucs de rat, et je sais que lui, il aime bien. Enfin, il aime bien, ça lui fait juste plus 2, mais c'est toujours ça de prix. Hop, les cache-œil des rats, là. Voilà, parfait. Et j'ai entendu que l'école s'est terminée, donc déjà... Hop. Oh, attends, je vais le choper. Ah bah, qu'est-ce qu'il fait? Reste là, voyons, fais pas le zouave, tiens, de la limonade. Ah, mais tiens, il y a ton pote Jack derrière. Pareil, je lui donne une petite limonade, là. Hop. Voilà. Hop, je distribue de la limonade à la sortie des écoles. Ouais, ça fait un peu bizarre, mais... Ok, pourquoi pas. Ah, les gamines! Attendez! Toi, on pousse pas. Non, mais attends, c'est pas toi que je veux parler, là. C'est à ton crush. Je sais pas si c'est son crush, mais... Hop, discutez. Toi, de la salade de fruits. Ouais, je suis sympa, hein, je distribue de la salade de fruits. Hop, voilà. Et il y avait l'autre gamine, mais je sais pas où est-ce qu'elle est partie. Je l'ai vu partir par là. Ah, mais on peut rentrer...
On peut rentrer dans la maison de Mars et Carole. Je suis jamais venu ici. Oh, ok, sympa. Sympa, sympa. Et du coup, ici... On sait pas si c'est la chambre de qui, là. Ah, il y a les trois bestas, là. Ah, les trois bestas, là, des photos. Oh, les selfies, magnifique. Et là, ça doit être la chambre parentale, ok. Mais du coup, elle est pas là, en fait. Elle est pas... J'ai cru l'avoir vu passer derrière, rentrer, je sais pas où, mais... Ah, il a l'air d'être fan de vache aussi, Mars, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, alors, bah, je sais pas où elle est partie. Je sais pas où elle est... Elle a disparu, la gamine. Elle est passée derrière la maison. Ni une, ni deux, on n'a plus vu nulle part. On ne l'a plus vu nulle part. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, on aura fait une bonne journée bien productive. Attends, j'ai peut-être encore du poisson pour toi. Si tu veux. Hop. Ah, Pinky est maintenant étrangère. Et maintenant ton étrangère. Tu es mon étrangère. Ok, soit. J'avais plus de poisson. Ah, mais non, j'avais plus de poisson, en fait. Je suis désolé. Tu veux autre chose? Qu'est-ce qu'ils aiment, les chats? Qu'est-ce qu'ils aiment, les chats? Je sais pas. Non, bah, je vais rien lui donner, parce que si ça baisse son niveau d'amitié, on sait jamais. On ne sait jamais. Ok, c'est Alice qui est là-bas. Non, bah, écoutez, je pense qu'on va... Ah, bah, tiens, elle est là! Où est-ce que t'étais passé, dis donc? Hop. Je te cherchais, là, pour te donner des trucs de bulles. Hop. Voilà, le poisson bulle, le ragoût de... Oh, magnifique. Magnifique, j'ai amélioré ma relation avec elle et avec Dolly, du coup. Et ben voilà. Et ben, mais du coup, ça veut dire qu'elle, j'avais pas amélioré ma relation tout à l'heure. Je comprends pas parce que... Attends, je comprends pas. Hop, bon, en tout cas, c'est pas mal, là. On améliore pas mal nos relations. Ce que je comprends pas, c'est... Elle, j'ai pas passé un niveau avec elle, j'étais déjà comme ça. Ou alors, c'est pas elle. Je confonds, il y a une autre fille qui lui ressemble. Bon, non. Bon, non. Ça a l'air d'être elle. Il y a trois gamines, je crois. Il y a elle, avec une natte. Il y a la blonde. Et... Bah non, la troisième, je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est, la troisième. Est-ce qu'il y a une troisième? Ça se trouve, j'ai abusé. Ça se trouve, j'ai abusé, il y a pas du tout de troisième. Mais il me semblait qu'il y en avait une avec deux couettes brunes. Ah bah oui, c'est celle-là, Molly. Ah bah, c'est elle que j'ai augmentée, en fait. Ok, donc tout à l'heure, c'était bien Dolly. Mais en même temps, elle s'appelle Molly, Dolly, Polly. Excuse-moi, hein. C'est un peu galère à retenir. Bref, en tout cas, bah écoutez, je pense que nous, on va se laisser ici pour cet épisode. Et bah, au final, il nous reste qu'une seule quête, hein. Mine de... Ah non, deux quêtes. C'est quoi ça? Ah oui, il faut que j'aille au port. Effectivement, bah écoutez, on fera peut-être ça la prochaine fois. Ouais, éventuellement, si on veut faire un peu d'aventure, la prochaine fois, on pourra faire cette quête. En tout cas, bah, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce en l'air. On aura quand même fait de la construction avec le pédalo et un petit peu d'aventure avec, justement, dans les Wondustries et de l'amitié avec, comment dire, un peu toutes les relations qu'on a améliorées. Et avec Ginger, on a même fait une petite quête d'amoureux, là, où on a été se balader dans le désert de Fola, en tout cas. Et ben écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit like si cet épisode vous a plu. Et on se retrouve très vite pour la suite. Et sur ce, bye tout le monde!